Là, j'ai arrivé à Yogyakarta après 7 heures de train, c'est relativement long. Il me reste plus que trouver le bus local pour m'amener jusqu'à une station et puis après que je récupère du dur. Donc voilà, à tout à l'heure. Bon, donc, bon, premier pas dans la ville de Yogyakarta. Alors, ici, on s'arrête de trouver le bus que je veux, la ligne 2B. Donc, je suis à la recherche de mon bus, par contre, je trouve. Et les gens font de la musique. Bon, la circulation est un petit peu full ici. Bon, j'ai demandé à la gendarme, normalement je suis sur la bonne direction, je vais aller à droite. Ok, bon bah écoute, j'ai réussi à trouver le bus. Il était relativement compliqué à trouver. Il n'y en avait pas directement au niveau de la gare. Donc voilà, ça ressemble à ça, en fait les stations de bus, je viens de payer 3600 pour aller à Colomba. Ouais. Bonjour, aujourd'hui on est sur le site Borobudur en Indonésie sur l'île de Java. C'est un site qui a été construit au 8e siècle par la dynastie des Tenanba. On a la chance, il est 6h20 du matin, il n'y a pas encore grand monde sur le site, donc je vous conseille vraiment de venir de bonne heure. Ce matin, j'ai pas eu la chance de pouvoir voir le lever de soleil malheureusement sur le temple parce qu'il y a pas mal de brouillard. Hier, on a eu de vraiment fortes pluies, mais c'est vraiment un site magnifique et somptueux, vraiment à visiter. Donc c'est un site qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991. Alors ce qu'il faut savoir sur tous les sites bouddhistes, c'est qu'ici, à l'île de Java, quand on vient visiter en fait les temples, on doit porter un sarang. Donc le sarang vous est fourni à l'entrée du temple. The end of the world! Yeah, great, really great! Hey, thank you very much. It's a nice movie with you. Voilà, c'est parti, donc je suis dans le bus direction Jombor. Donc j'ai pu réussir à trouver un petit bus local que j'ai pas vu prendre hier, parce que malheureusement il était fermé à 10h. Have a nice day! Thank you! Et donc, je pars direction Jombor, après on verra où c'est qu'on va au niveau de Jakarta. Voilà le bus. Et je viens de prendre un train, j'en ai pour 14h et je vais direction Banuwangi, et je paye uniquement que 100 000 roupies, donc c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Pourquoi pas grand-chose? Parce que le train en troisième classe, ça va pas être top.